Welcome back les gars pour une nouvelle vidéo sur Street Fighter Duel. Aujourd'hui on va voir comment essayer d'avoir plus de chances d'avoir Bison. Et ouais les gars, il y a un petit moyen d'avoir, il y a un moyen d'augmenter les chances d'avoir Bison. Alors, il y a deux moyens. Il y a le moyen que je vais vous montrer et il y a, si vous connaissez un des devs, si vous pouvez lui demander qu'il fasse en sorte que les invocations scriptées là pour vous, voilà, qu'il vous donne un peu un petit bison de côté là, voilà. Bon, voilà. Je sais que je vous le rabâche à chaque vidéo, mais ça m'a vraiment saoulé cette histoire d'invocations scriptées là. Première fois que je vois ça dans un gacha, vous avez déjà vu ça vous? Enfin voilà, c'est... Bref, en tout cas, voilà. Moi j'ai pas vu le script, hein. Pour l'instant j'ai pas eu de bison. Mais il y a un moyen légal, enfin en tout cas légal, qui est fait dans le jeu, mais qui n'est pas forcément expliqué, d'augmenter les chances d'avoir un bison. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Et en plus de ça, on va faire des invocations, parce que grâce à l'événement en cours là, c'est celui-ci. Non, c'est l'événement des 14 jours de progression, voilà. J'ai fait voilà, le dernier jour, donc j'ai mes petits diamants, donc on va invoquer ensemble. On va voir si je vais peut-être avoir un bison, peut-être que vous allez me porter chance, hein. Peut-être que, voilà, grâce à vous, je vais enfin pouvoir avoir un de ces personnages-là. J'en ai eu aucun. Je vois tout le monde en a, tout le monde les a. Moi, j'en ai pas eu. Bon. On va voir. Alors, comment augmenter ses chances d'avoir Bison? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Bison, on peut l'avoir que dans ce portail-là. Enfin, ces deux portails-là. Mais en gros, on peut pas l'avoir dans le portail faction. Alors, dans ce portail-là, donc recrutement standard, quand on regarde, vous avez ici, vous avez la liste de souhaits. Je vais la remplir. Alors, je suppose que, donc, comme tout le monde, vous avez rempli votre liste de souhaits. Voilà, on est là, on l'a rempli. Là, ici, voilà, boum, on met ça. Là, ici, paf, paf, voilà, on l'a rempli. Voilà, on est content. Ça a validé, ça a validé. Voilà. Donc là, j'ai rempli ma liste de souhaits. Donc là, quand vous regardez dans le taux de recrutement, quand vous faites donc 10 invocations, vous avez 4,61% de chance d'avoir un A. Donc après... Voilà, ça c'est 43 pour les B et le reste, voilà, trash tier là, poubelle. Et dans les 4%, vous avez 0,005% de chance d'avoir Bison. Alors je dis Bison, mais du coup c'est pareil pour Rose, Gain et Jury, hein, du coup. Voilà. Donc là, vous retenez bien, 0,005, voilà. Donc ça c'est une chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vu que vous avez fait une wishlist, sur les personnages que vous avez mis, donc là, par exemple, on va retenir Madryu, les personnages que vous avez mis, logiquement, vous avez un taux qui est plus élevé. Donc, là, si je vais ici, même pas, en plus, franchement, c'est vraiment... là, si je vais sur Madryu, là, il est à 3,5. Si je mets un autre personnage... Ah, mais non, mais attendez, c'est encore pire que ça. Alors, attendez. Parce que là, je découvre pas avec vous, mais... Alors, voilà, Zangief. Donc, Zangief, si je me trompe pas, je peux même pas l'avoir si je l'ai pas mis dans ma liste des souhaits. Ouais, c'est bien ça. Voilà, en fait, le personnage, donc si vous le mettez pas dans la liste de souhaits, vous pouvez même pas l'avoir. Voilà. Donc, au cas où vous hésitiez ou quoi, voilà, si vous avez un A, vous aurez un personnage de la liste de souhaits qui est ici, là. Bon, c'est pas plus mal, parce qu'il y a beaucoup de choix. Mais voilà. En tout cas, vous avez retenu tout à l'heure, c'était 0,005 pour avoir Bison. Là, si je vais vider ma liste de souhaits, regardez, hop. Hop. Je vide ma liste de souhaits. Donc là, on est d'accord, si on suit le raisonnement, ben, je peux avoir personne là d'ici. Vu que si quand on suit leur truc, quand on peut avoir que ceux qu'on a mis là. Et tous ceux-là, on peut pas les avoir. Et ben là, pour le coup, là, il y a tout le monde. Mais le taux est plus bas. Et du coup... Si on regarde, si on va chercher nos amis ombre et lumière là, voilà. Au lieu du 0,005, on est passé à 0,016. Donc là, on a augmenté le pourcentage de chances du coup de les avoir. Alors bien sûr, on peut avoir tous les autres, mais on a monté les chances d'avoir eux. Voilà. Donc ça, si vous vraiment voulez focus cela, bah, c'est une petite astuce que vous pouvez faire. Videz votre wishlist. Je crois qu'on peut... y a un minimum, en fait, à mettre. Alors, moi, je vais quand même mettre les persos que j'ai envie d'avoir. Voilà, la Chun-Li, j'ai plus envie de la monter. On va mettre Madryu. On va mettre Makoto. On va mettre Elena aussi. Là, ici, on va mettre...
En vrai, je veux pas de feu, en vrai. En vrai, je veux pas de feu. Si Alice, vous tenez à coup sûr un combattant. Ok. Donc en fait, c'est que quand c'est rempli qu'on obtient un coup sûr. Ok. Mais du coup, t'as moins de sens d'avoir bison, etc., etc. Et du coup, là, si je fais ça, est-ce que je peux avoir tout le monde? Ok, là, je peux avoir encore tout le monde. Ok, faut absolument la remplir. Donc en fait, il te pousse à la remplir pour focus les persos que t'as. Mais du coup, si tu remplis, t'as moins de chance. Ouais, en fait, plus tu mets des persos, plus ça baisse ici, en fait. C'est ouf, quand même, ce système. Enfin... C'est très bizarre, en fait. C'est très, très bizarre. Vous savez quoi? Je vais tenter la multi comme ça. Ouais, mais... Ah, mais voilà, en fait, c'est là que c'est le roule. Parce que moi, j'ai pas envie de pool des persos... voilà quoi, Abel, je m'en fous, tu vois, je veux pas de Rufus non plus. Parce que, attends, là, Rufus, il est mis où? Bah, il est mis dans les A tiers. C'est vraiment de la douille. Hein. C'est vraiment de la putain de douille. Hein. C'est vraiment de la putain de douille. Pourquoi il est dans les A tiers? Pourquoi Cody et lui sont dans les A tiers? Pourquoi? C'est de la douille, en fait. C'est de la grosse douille. C'est... Franchement, si vous avez une explication, donnez-la moi, parce que moi, je l'ai pas. Clairement, je l'ai pas. Alors, bon. Je vais le remplir, hein. En fait, je comprends pas. Les probabilités d'obtenir un combattant de la liste de soi sont accrues lorsque les probabilités globales sont figées. Donc, en fait, genre là, Chun-Li, je suis à... Ok, j'ai quand même plus de chances d'avoir Chun-Li, en fait. Ok, j'ai quand même plus de chances d'avoir les quelques persos que j'ai mis. Ok, 0,28, ok, ouais, ok, bon. Ok. Bah, en vrai, on va faire ça. Donc, je pense que c'est le plus worse, en fait, parce que ça diminue beaucoup trop de chances d'avoir que j'ai Bison ou un autre, en fait. Ça diminue beaucoup trop... Je vais quand même mettre Dhalsim, là, parce que... En vrai, Dhalsim, j'en ai plusieurs... Si je veux un carry-feu... J'ai vraiment envie de focus sur ceux-là, là. Non, ouais, si j'ai un Dhalsim, j'aurai le seum. Je m'en fous. On verra pour la prochaine fois. Là, moi, c'est vraiment eux que je veux, là. Le reste, ça viendra. Bon, allez. On est prêts, les gars. C'est parti pour l'invocation en mars. Portez-moi chance, les gars. Portez-moi chance. Ok, il y a les éclairs. Donc là, déjà, on a drop un perso. Qui c'est? Makoto. Ok, on prend. Très bien. On recrute à nouveau. Ok, pas d'éclair, rien du tout. Sakura, full bullshit. Ok. Ok, full bullshit. Invoque encore. Ok, là, il y a les éclairs. Tioque. Ok, bon, on ne voulait pas. Ah, lui, par exemple, il était pas du tout dans ma liste, mais... Bon, ok. Et là, du coup, rien du tout. Allez, on va faire les 5 recrutements en solo, comme ça. On va les faire ensemble. Jamais, hein. Y a peut-être un bison qui a pop. Hein. C'est pas bison. Bullshit. C'est pas bison encore. Bullshit. T'as deux fois Ibuki. Bullshit. Bon, ça va. Continue, on le respecte. Et Rolando. Bon, du coup, ça fait deux... ça fait un écho à Tioque. Non, on a eu Makoto. Ouais, Makoto et Tioque. Du coup, ça fait deux. 2 sur 50. C'est un peu léger, hein. C'est un peu léger, mais bon. En vrai, on est dans les taux, hein. C'est un taux à 4%. On a fait 50, on a eu 2. Ouais, on est dans les taux, bon. Toujours pas le bison, malheureusement. Ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, voilà. Voilà comment augmenter un peu les pourcentages de chance pour voir bison. J'espère que vous avez kiffé la vidéo.
likez, abonnez-vous si vous voulez avoir l'actualité de DB Super. Pourquoi j'ai DB Super? Moi, c'est pas DB Super, c'est Street Fighter Duel. Soit, allez, faut que je vous laisse. Là, je suis encore déboussolé là par le tirage. Allez, on se dit à bientôt.